Ce bébé a grimpé sur la guillotine dès sa naissance. Au lieu de l'arrêter, la sœur a lâché la corde. Voyant que le plan avait échoué, elle a emmené son frère à naître sur le toit de la maison et l'a jeté du toit. Le bébé était sur le point de mourir. Le père a ouvert la fenêtre et l'a rattrapé. Il s'en est fallu de peu et cela aurait pu être une tragédie. Mais ce bébé n'était pas un bébé normal. Il avait une moustache à un jeune âge. Il pouvait cracher du feu. Vous ne seriez pas surpris si vous connaissiez ses parents. Le père Adam est milliardaire. La mère est une zombie froide, glaciale et millénaire. Comme vous pouvez l'imaginer, les enfants nés de leur union sont plus que troublés. Amy, la fille aînée, a hérité des gènes glacés de sa mère. Son hobby est de briser le cou des poupées. Le deuxième fils ressemble beaucoup à son oncle. Il n'est pas très brillant. Ils ont aussi un drôle d'animal de compagnie, une main droite. Il n'est pas seulement très fort, c'est aussi un excellent patineur. Il peut faire toutes sortes de figures difficiles. Malgré le fait qu'il n'y ait personne de normal dans la famille. Mais ils sont gentils au fond d'eux-mêmes. Ils s'aimaient plus que n'importe quelle autre famille. Jusqu'au jour où un nouveau bébé est né dans la famille. Tout le monde était heureux. Mais seuls les deux frères et sœurs étaient malheureux. Surtout la fille Annie. Elle craignait que la naissance de son frère ne lui fasse perdre l'amour de ses parents. Elle essaie donc par tous les moyens de lui faire du mal. Les Adams ont décidé que ce n'était pas la bonne solution. Ils ont donc engagé une nounou pour s'occuper du bébé. Mais voilà que Fétid, qui a toujours été célibataire, tombe amoureux d'elle au premier regard. Il sent qu'il va faire un malheur. De temps en temps, il jette un coup d'œil derrière la porte. La nounou, elle, laisse entendre qu'elle a un secret. Un jour, alors que les adultes ont quitté la maison, la nounou se faufile dans le bureau. La nounou se faufile dans le bureau et déterre les titres boursiers et les actes de propriété de la famille. Il s'avère que sa véritable identité est celle d'une veuve noire qui a commis de nombreux meurtres. Elle séduisait de riches célibataires, puis assassinait leur mari lors de leur nuit de noces. Puis elle s'est emparée de l'héritage. Et maintenant, sa cible est Fétid. Les choses se passent mieux que prévu. La séduction mortelle de Debbie. Festé tombe dans un doux piège et veut à tout prix la demander en mariage. Le mariage a lieu au cimetière. Enfin, le moment de l'excitation. La première nuit de son mariage. Une femme tente de tuer son mari pour hériter de sa fortune. Le mari est submergé par l'amour. Il n'arrête pas de dire « je t'aime ». La femme jette la radio chargée dans la baignoire sous les yeux de son mari qui ricane. Debbie ne s'attend pas à ce que Fétid meure. Mais elle a une petite surprise pour elle. Voyant que cela n'a pas fonctionné, Debbie a dû recourir à nouveau à l'astuce de la beauté. Je dois dire que Fétid en a profité. Debbie s'est emparée de sa fortune et est devenue la femme la plus riche du monde des célébrités. Elle s'est également servie de sa beauté comme d'une menace pour couper Fétid de sa famille. Les Adams arrivent au manoir de Fétid dès qu'ils reçoivent la lettre. Mais ils sont accueillis par une Debbie qui se pavane. Désormais, Festé est devenue sa marionnette. Recroquevillée dans un coin, elle n'ose pas dire un mot. Les Adams n'ont d'autre choix que de rentrer chez eux. Mais à peine entrés, ils apprennent la triste nouvelle. Leur fils cadet est malade. Une puissante lignée se métamorphosait. Leur fils cadet devenait un humain normal. La sorcière consulta les textes anciens et découvrit que cela était dû à une discorde familiale. Si cela continue, l'enfant deviendra de plus en plus normal. Le pire, c'est qu'il pourrait devenir avocat ou dentiste. Adams s'est effondré sur le sol après avoir entendu cela. Quelle terrible chose à faire dans une vie antérieure pour engendrer une telle ordure. À ce moment-là, Debbie a un nouveau plan pour assassiner son mari. Elle offre à Fétid une bombe à retardement emballée comme cadeau d'anniversaire et l'avertit de ne pas l'ouvrir avant qu'il ne soit temps. Sur ce, elle part sans un regard en arrière avec ses bagages. L'innocent Fétid tourne joyeusement sur place, ignorant que Debbie a déjà revêtu ses vêtements de deuil. Elle a répété ses expressions tristes et son histoire pour tromper la police. Bientôt, il est temps de se préparer à l'attentat à la bombe. Debbie se rend au manoir en voiture et regarde les secondes s'écouler. À l'intérieur, Fétid n'a pas conscience du danger qui s'annonce. Le mari a été tué dans l'explosion. Au lieu de s'affliger, cette femme a affiché une joie débordante. Elle va enfin pouvoir hériter d'un milliard de dollars. Avant d'avoir pu se réjouir pendant 3 secondes, elle a vu son mari émerger de la fumée. Un gros repas à la main. La femme s'en aperçoit et sort son arme. Elle devenait folle. Un homme ne peut même pas mourir comme ça. Elle avoue simplement la véritable raison de son mariage. C'est alors que Fétid reprend ses esprits. Cette femme l'avait toujours aimé pour son argent. Soudain, une voiture arrive et la fait tomber. C'est la main qui arrive. Elle dit à Fétid de monter dans la voiture et s'en va. La main montre ses talents. Non seulement elle conduit d'une seule main, mais elle doit aussi freiner. Mais il a réussi à s'en sortir. Lorsque Fétid est rentré chez lui, il a vu que son frère était au lit parce qu'il était malade. Il s'en veut et tombe à genoux devant le lit. Il dit qu'il ne se laissera plus jamais tenter par la beauté, malgré le caractère désagréable de l'expérience. Mais la famille est enfin réunie. À ce moment-là, Debbie se présente à la porte avec un vol à la main. Il s'avère qu'elle ne s'est pas arrêtée là, mais qu'elle a utilisé une arme à feu pour maîtriser la famille. Même leurs mains ont été attachées à la chaise électrique. Elle a ensuite appuyé sur l'interrupteur, mais elle a oublié une personne. Il s'agit du nouveau-né. Il a retiré le poignard du lit. Il a scié une entaille dans la planche et a grimpé pour sortir et a fait tomber une boule de plomb dans le processus. Il a glissé le long de la balustrade et a atterri en plein sur la planche de jeu. La boule de plomb a glissé vers le bas et a atteint l'autre extrémité. Le bébé a traversé le toit et a rebondi dans le ciel. Il a même salué les passagers de l'avion. Au moment où Debbie a appuyé sur l'interrupteur, le bébé est tombé du ciel. Il a saisi 2 fils et les a connectés. 100 000 volts ont jailli en sens inverse. Debbie est tombée à la renverse. La seconde d'après,
Elle n'était plus qu'un tas de poussière. La famille Adams parvient enfin à retrouver la paix et la tranquillité. Et c'est la fin du film.